comme vous le voyez, nous sommes ici devant cette unité de prise en charge des patients atteints du Covid-19. C'est une unité qui a été mise en place et équipée par l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Et cette décision de l'université de mettre en place cette unité rentre parfaitement dans la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19. Alors, cette unité en fait se compose de deux parties. Une partie de surveillance et d'hospitalisation des patients atteints du Covid-19, mais non compliqués. Et une deuxième partie qui se compose de 9 lits réservés aux patients ayant des complications respiratoires, donc avec un niveau d'équipement beaucoup plus élevé. Comme vous le savez, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé est une université dont la mission est bien sûr la formation, mais aussi l'amélioration des soins et la recherche. Et donc, l'équipement de cette unité de prise en charge rentre dans les missions de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Alors, bien sûr que les cas extrêmement graves qui nécessitent une réanimation très très lourde sont transférés dans l'hôpital Cheikh Khalifa qui relève de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Donc la capacité totale est de 43 d'hospitalisation, on va dire, ordinaire et 9 lits de soins intensifs, ce qui fait une capacité de 52 lits au total. Nous, on a essayé d'anticiper. C'est-à-dire qu'on a fait une préparation à la fois de nos circuits et à la fois de la formation de nos personnels et on a pensé anticiper une organisation avant même d'avoir le premier patient. Donc notre circuit consiste en quoi? On a au niveau des urgences établi une procédure pour faire un tri, c'est-à-dire des patients Covid ou suspects Covid des autres patients pour ne pas mélanger les choses. Et ensuite, une fois que le tri, une fois que le patient se présente, il est identifié, il est confiné. Et ensuite, il est prélevé et il a été déterminé un secteur de confinement en attendant le résultat. Une fois que le résultat arrive, bah bien sûr, s'il est négatif, il rentre chez lui avec un traitement de la grippe classique. S'il est positif, à ce moment-là, il est mis dans un secteur d'hospitalisation selon son état. C'est-à-dire que s'il est relativement bien sur le plan hémodynamique, sur le plan respiratoire, il va dans un secteur d'hospitalisation classique. S'il présente des signes respiratoires importants, à ce moment-là, il est orienté soit vers les services de soins intensifs, soit vers la réanimation. Voilà pour le plus gros de l'organisation. Ensuite, on a pensé, avec l'université, on a pensé à un second repli, un second lieu de repli au cas où l'hôpital ou le secteur dédié au Covid de l'hôpital soit débordé. C'est pour ça qu'on a pensé à cette idée de chapiteau qui a été entièrement mis en place par l'Université Mohamed VI et qui démarre aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ils reçoivent leurs premiers patients. On a mis aussi une procédure pour essayer de rendre service aussi à la population qui rentre à la fois pour les protéger eux aussi, pour protéger les gens qui sont à l'intérieur de l'hôpital. Pour ça, comme vous avez vu, au niveau de l'entrée de l'hôpital, nous avons mis un système de prise de température et ensuite de mise à disposition de solutions hydroalcooliques et aussi du passage, de passage dans le tunnel. Avec bien sûr, si les patients présentent de la température, on leur remet un masque dès l'entrée de l'hôpital. La capacité de l'hôpital ou la capacité du chapiteau? Alors actuellement, au niveau de l'hôpital, on a à peu près 70 lits, tout confondu, qui sont consacrés au Covid-19 et sur le chapiteau, nous avons 43 lits d'hospitalisation et 9 lits de soins intensifs.